那是昨天的话，事情的话又怎么样了？<笑>我要这样的话，可以听听。哎，你干什么？啊？听见没有？有小孩在哭，好像。没这小孩哭的。 Ah, vas-y, souffle. Ouais. Ouais, joyeux anniversaire, ma petite citrouille. Joyeux anniversaire. Tchoui. T'as chier de gérer. T'as tué. Tchouni生日快乐, 快乐了，快乐了，快乐了！祝你生日快乐，小林。爸爸，谢谢你。哦。妈妈，爸爸在给林夕过生日，要给他准备了什么好吃的东西啊？不知道。我过去看看。等一会儿啊。 你也出去一下吧，今天是小林的7周岁生日，咱们一块儿给他过吧。有什么好过的？自从他到了这个家，你早就把我们娘俩给忘了。我们算什么东西啊？你怎么能这么说呢？你是知道的，这个家是我的一切。什么家？你把他留到这个家这么久，是你才毁了这个家，你知道吗？ 你如果还打算要这个家的话，你马上把它送走。我们就要过了什么日子？这日子没法过了，我受够了。刘晴，我知道这么长时间。<笑>
姐，你干什么呢？啊，你怎么一个人吃？你怎么一个人吃起来了？啊，妹妹蛋糕，今天是妹妹的生日，爸爸妈妈还没有上座，你就一个人吃起来了。快把妹妹蛋糕放回这个盘子来，放回来。让哥哥吃吧。听见没有？我过生日，你从来就没有给我买过蛋糕，是吧？你胡说！我平时对你和妹妹都是一样，总是一样的。 你把蛋糕还给妹妹，放回来。我不放！你干什么？你回来，坐桌上！你给我回来！我管不了你是不是？你干嘛你？小天，怎么了？我看看，离的，你为一个捡来的孩子，你这个样子吗？ 对你的亲生儿子就这样子，你这样做，你还是人吗？他是你的亲骨肉吗？是你亲骨肉吗？走。其实我就是想让你好好过个生日的。 说的，谁？妈妈。妈妈什么？哦，其实妈妈心里面也想让你开心的。要是我走了，你们就不会再吵了吧？ 小林，有时候人们啊，要彼此选择的。你会吗？会什么？不再吵架。今晚都是我不好，我不该发脾气的。 Bonne journée, ma citrouille. Merci, papa. Toi aussi. À ce soir. Alors, il est de plus en plus insistant avec moi. Est-ce que tu l'aimes? Salut, Cathy. T'as l'air en forme? Ouais, toi aussi, Teddy Bear. Il est trop naze, garçon. J'arrive pas à croire que tu lui parles. T'en fais pas, il a sûrement déjà oublié qu'il m'a vu ce matin. Buenos días, señores y señoritas. La session du gouvernement des étudiants est ouverte. Si les membres veulent bien prendre place. Très bien. Alors écoutez-moi, je vais demander à chacun d'entre vous de collecter des fonds pour une ONG Chirurgiens sans frontières. Ils permettent à des gens, et surtout à des enfants du tiers-monde, de se faire opérer gratuitement. Étant donné que nous avons la chance de vivre à Malibu, je crois qu'ouvrir les yeux sur la réalité ne nous ferait pas de mal, d'accord? Alors faites passer ces documents et rendez-moi ceux qui sont en trop. Merci. On va aussi discuter du bal de fin d'année. Je sais qu'il est à l'ordre du jour et que vous y pensez, mais les heures de travaux d'intérêt général nous laisseront le loisir d'en parler. De plus, cette expérience vous permettra de vous valoriser. Oui, mais pourquoi on devrait se valoriser? Oui, mais pourquoi on devrait se valoriser? Brittany, ce n'est pas ce que je voulais dire, j'y suis peut-être allé un peu fort. Mais les élèves des années précédentes qui ont participé à ce projet en ont retiré quelque chose de bien.
Monsieur Matthews, est-ce que ces photos sont vraies? Oui, Cathy, on ne peut plus vrai. J'ai rencontré certains de ces enfants. Je participe à ces missions depuis 2 ans en emmenant des élèves. Et certains m'ont dit que ça avait changé leur vie. Ça a dû surtout leur couper l'appétit. D'accord, je sais que tout le monde ne se sent pas concerné, mais c'est une expérience. Ça m'a permis de voir d'autres pays. Cancun? Non, on ne va pas à Cancun comme on part en vacances. Et nous sommes allés en Chine ou encore en Thaïlande. Et je connais des élèves qui sont allés aux Philippines, en Russie, en Amérique du Sud et Centrale. Et l'an dernier, nous étions en Chine avec 2 élèves. On a installé un bloc opératoire et on a pratiqué 12 d'opérations pour corriger les déformations faciales. Et ça a changé de nombreuses vies. Alors je ne vous demande pas de changer vos vies. Et je ne vous blâmerai pas de ne pas y aller, mais... très franchement, c'est vraiment une occasion unique. D'accord? Très bien. Passons au bal de fin d'année. Est-ce que tout le monde a choisi sa robe? John? Non, je plaisante. Qui est responsable de l'organisation? Ah, c'est moi. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu as prévu? Alors, ça a un rapport avec votre histoire d'aller à l'étranger. On pourrait tous choisir un pays et s'en inspirer pour les vêtements, la déco et tout. Et quoi d'autre? J'avais aussi pensé à prendre les 1000 et 1 nuits comme thème. Les filles habillées en jasmine et les garçons en Aladdin avec des tapis volants et tout ça, ça va déchirer. Ah, c'est bien ça, Brittany, c'est très bien. Au travail. C'est l'heure de partir. Est-ce que je peux mettre mon chapeau, papa? C'est bien que tu ne parles plus chinois. Je t'en prie, ne m'oblige pas à y aller, papa. Je comprends que tu aies peur. Tu as fait tellement de choses pour moi. Je n'ai rien fait de plus que ce que n'importe quel père aurait fait. Pendant toutes ces années, j'ai rêvé que... qu'un jour tu serais comme les autres enfants. S'il te plaît, papa, laisse-moi mettre mon chapeau. Ne t'inquiète pas. À Shanghai, les médecins vont prendre bien soin de nous. Tu seras courageuse. Viens. Pourquoi êtes-vous ici? Vous avez des billets? Oui, j'ai nos billets. Pourquoi vous n'allez pas dans le wagon? Il fait plus frais ici. Et l'air est meilleur. Ah. Faites attention. Oui. Thank you.
faut qu'on trouve un bus. On est déjà en retard. Il y a tellement de monde. Monsieur Matthews! Oui, Cathy, je peux t'aider? J'ai jeté un coup d'œil au prospectus que vous nous avez donné. Est-ce que Chirurgiens sans frontières t'intéresse? C'est aussi dur que ça en a l'air. Ah, le plus important, c'est que c'est extrêmement enrichissant. Mais je te cacherai pas qu'il y a aussi des moments très durs. Au cours de notre dernier voyage en Chine, alors que tout était prêt pour le départ, je passais dans le hall d'entrée, et là j'ai vu un père avec sa fille, une adolescente. Ils arrivaient trop tard, les médecins et l'équipe soignante étaient partis. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parti. Vous êtes docteur? Je suis enseignant. Tous les médecins sont repartis. Ils avaient eu un horrible accident en route et la main du père était très abîmée. Sa pauvre fille qui avait attendu pendant des années son opération a dû repartir. Ça m'a brisé le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Une infirmière attendait le bus qui devait l'emmener à l'aéroport. Elle a soigné le père. Elle lui a fait un pansement. Et la fille, alors? Ça, j'en sais rien. Je vois que ça cogite fort. Alors, tu me tiens au courant? D'accord? Prends ton temps pour y penser. À plus tard, Cathy. T'étais où? Je discutais avec Monsieur Matthews. Et de quoi? T'as un problème ou quoi? Oui, j'ai un problème. Tu m'as fait attendre 15 minutes. Arrête la voiture. Je vais descendre. Du calme, du calme. Me dis pas du calme. J'ai horreur que tu me dises ça. J'ai attendu pendant 15 minutes et tu me fais une crise? Arrête-toi. Je veux descendre. Allez, Cathy, remonte, quoi! Cathy, tu te conduis comme une gamine, tu vas pas rentrer à pied! Allez, remonte! Alors, tu te décides? Non, lâche-moi! Mais qu'est-ce que t'attends?
Je sais pas par où aller. J'habite de ce côté-là. Ramène-moi à la maison. Avec plaisir. Je croyais t'avoir dit de pas l'ouvrir. Everybody's together with no separation. Cause this is our anthem. Oh, this is our anthem. And this is our anthem. Our anthem. Oh, this is our anthem. Tu veux que je te débarrasse de lui? De qui? Chris. C'est toi, ma chérie? Ouais, maman. Cathy? Je peux te rappeler? Super. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, t'as une minute avant de te mettre à téléphoner? Quoi? Si c'est Chris, tu laisses pas entrer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, tu laisses pas entrer et c'est tout. Parle-moi sur un autre ton, Cathy. Maman! Tu veux bien me dire ce qui se passe, Chris? Bah, qui êtes-vous? Ted. D'accord. Est-ce que Cathy est là? Oh, salut, Chris. Bonjour, Madame Nelson. Dis-lui de se barrer. De qui tu parles? Cathy? Salut, Teddy Bear. Salut. Bon, bah, rentre chez toi, Chris. T'assieds pas sur son lit. Il est parti? J'en sais rien. Moi non plus, j'en sais rien. Dégage. Je crois que c'est pas une si mauvaise idée. Ted. Ted. Merci de m'avoir ramené. Ben, pas de quoi. Je peux t'offrir quelque chose à boire avant que tu partes? Non, rien, merci, Madame Nelson. Bon, ben, au revoir. This is our anthem. Oh, this is our anthem. This is our anthem, our anthem. Au revoir, Ted. This is our anthem. Tourne encore autour d'elle et je t'éclate la tête. Dis-moi ce qui se passe, Cathy. Comment tu sais si t'es vraiment amoureuse? Est-ce que tu envisages d'aller plus loin dans ta relation avec Chris? Maman... Quoi? J'ai le droit de te poser toutes ces questions. C'est très important et si t'es prête, enfin, je veux dire... Si tu penses que tu pourrais avoir envie de partager ça avec Chris, alors je dois te donner tous les moyens de le faire de façon responsable. Tout le monde couche au lycée. Et du coup, t'en es venu à cette conclusion. Tout le monde couche au lycée, alors tu devrais faire pareil.
Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et c'est qui ce Ted? C'est juste un mec du lycée. Je me suis disputée avec Rhys et Ted m'a raccompagnée. Vous vous êtes disputée à quel propos? Il s'est monté la tête parce qu'il m'a attendu quelques minutes. Et t'étais avec Ted? C'est pour ça qu'il était fâché? Maman! J'étais en train de parler avec Monsieur Matthews. Il s'est pris la tête pour rien du tout. Il a dû m'attendre un peu, le pauvre chéri. C'est de ça que je discutais avec Monsieur Matthews. Wow. Ça te fait prendre conscience à quel point tout ça est dérisoire. C'est pas un peu mélo, non? T'es une fille exceptionnelle, Cathy. Et je sais que quelle que soit ta décision, ce sera la bonne. T'es super, maman. Et toi aussi. Je vais prendre rendez-vous chez le gynécologue pour toi. Tu vas m'accompagner? Tu veux que je t'accompagne? Ouais. D'accord. C'est mon dernier jour de mission avant de rentrer. Je suis très touché par la façon dont Chirurgiens sans frontières a changé tant de vies aussi rapidement. Il faut tellement de courage à ces enfants pour venir jusqu'ici et quitter la vie qui était la leur pour en commencer une autre. Je n'oublierai jamais l'image de ce père qui venait de Jingxi, une petite ville située à quelques heures de Shanghai à l'ouest. Il était venu avec sa fille, une adolescente, mais tous les médecins et infirmières étaient déjà repartis. Ils avaient eu un horrible accident en venant à l'hôpital. Le père était blessé au bras. Sa fille, qui avait attendu d'être opérée pendant des années, a dû être renvoyée chez elle. Qui sait à quel point sa vie aurait pu s'en trouver changée. Si j'avais la possibilité de remonter le temps, je le ferais pour eux. Bonsoir, papa. Ah, bonsoir. Alors, c'était bien le lycée? Ouais, super. Okay. Vraiment? Ça n'en avait pas l'air. Bonsoir, chérie. Et comment se fait-il que vous deux, vous soyez tellement aimables, toujours, l'un envers l'autre, alors que moi, je n'ai droit qu'à votre mauvaise humeur? Et c'est parti! Le prends pas comme ça. Il s'est passé quoi aujourd'hui? Il s'est passé quoi aujourd'hui? Oh. Justement, comment s'est passée ta journée, Steven? T'as rien à raconter? À quelle heure t'es rentrée la nuit dernière, par exemple? Bridget, du calme. Ah, ne me dis pas du calme. Je déteste quand tu me dis du calme. On en parlera après le dîner. Ça va refroidir. Ouais. Quel silence, tout à coup. On peut arranger ça, hein, si vraiment tu insistes. Oh, je t'en prie, tu vas pas recommencer. Ah, d'accord, c'est moi qui ai commencé. Non, mais je reste là tous les jours. Non, mais je rêve. Vous êtes vraiment obligé de faire ça devant moi? Bon, on a gagné. Ouais, mes parents sont en train de s'engueuler. Ma mère était furieuse. Ça va, papa? Oui, ça va. Je te rappelle plus tard. Tu sais, ta mère prend beaucoup sur elle la plupart du temps. J'ai pas assuré cette nuit. J'aurais dû l'appeler. Je sais. Papa? Hmm? On regarde ça. Oui, qu'est-ce que c'est? Je crois que je devrais faire un truc dans ce genre-là. Comment ça? M'engager. Hé! Hey, tu fais quoi? Là, j'apprends la grammaire. Tu apprends la grammaire à ton âge? Là, c'est pour l'enseigner ensuite à ma fille. Je veux lui donner une bonne éducation. C'est important dans la vie. Tu es un bon père. C'est difficile à comprendre. Quoi? Que le même mot puisse avoir plusieurs sens et qu'il puisse être prononcé. Prononcé, qu'il puisse être prononcé différemment.
Tu n'en as pas assez, parfois, d'être tout le temps avec moi? Pas du tout. Même pas un peu? Pas du tout. Je me demande comment c'est dehors. On peut aller voir? Non, je voulais dire le monde extérieur. Je ne suis pas sûre de comprendre. Shaolin. Je ne sais pas comment te l'expliquer très exactement. Ça fait rien. Je crois que tu devrais apprendre à danser. Non. Si. Non. C'est amusant. S'il te plaît. S'il te plaît, on essaie. Allez, viens. Mets ta main sur mon épaule. Comme ça, voilà. Tends-toi. Oui. La, la, la. Oui. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. Oui. On y va en dansant. D'accord? Weite, leise die Feier, zählen die Feier dein Blühen Dorn. Est-ce que tu sais que Cathy a demandé à ce qu'on lui donne la pilule? Et comment tu le prends? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu demandes comment je le prends? Comment ça se fait que tout soit prétexte à dispute? Oh, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Joue pas avec moi, hein, s'il te plaît, Steven. Bon, je démarre peut-être au quart de tour. Mais tu sais à quel point ça m'énerve quand tu rentres tard sans me téléphoner? Il s'est passé quoi cette nuit? Est-ce que t'as pensé à moi qui attendais? Attends, attends, je t'ai dit que j'étais désolée. Ce n'est pas assez clair. Mais t'arrives vraiment pas à me parler? Pas quand tu es aussi énervée. C'est vrai, j'ai eu tort. J'aurais dû te téléphoner, mais tu savais où j'étais et avec qui. On a bu quelques verres ensemble et tu sais comment ça se passe dans ces cas-là. Oui, dans ces cas-là, vous faites n'importe quoi, ouais. Ouais. Très bien, ça peut m'arriver de temps en temps, c'est vrai. Et elle a déjà couché avec Chris ou pas? Non. Enfin, je... Non, je crois pas. Non. Alors, comment tu le prends? Oh, mais qu'est-ce que je t'ai dit? C'est quoi le problème? J'ai le droit de te demander comment tu le prends. Oh, mais c'est toujours pareil avec toi, Steven. À chaque fois que je te pose une question en rapport avec les sentiments, tu la retournes pour me la poser à moi comme si j'étais une de tes patientes. Je veux que ce soit toi qui me parle mais à moi. Mais enfin, je ne suis pas une adolescente et je n'en ai jamais été une. Je pense que c'est une très bonne chose qu'elle soit venue te voir. Elle ne m'en aurait pas parlé. Non, c'est parfaitement normal qu'une adolescente se tourne vers sa mère pour lui parler de la pilule. Dis-moi qui mieux qu'une mère pourrait t'expliquer à... Mais comment t'as pu? T'es vraiment pas possible. Comment ça, je suis pas possible? Mais c'est ton père, tu t'en souviens? Je te faisais confiance. Bon, d'accord, écoute. Tu es énervée et tu deviens franchement injuste et déloyale. Ah, et ça te rappelle pas quelqu'un? T'as balancé tout ce que je t'avais dit et attends, c'est moi qui serais injuste attends, et déloyale? C'est toi qui es déloyale. Calme, ma chérie. Et où est-ce que tu vas? Me regarde pas comme ça. Et comment je te regarde? Et comment t'as pu me faire ça, maman? Bonsoir, monsieur Nelson. Ferme-la, Chris. Bonsoir, Chris. Ferme-la, Steven.
Très bien. On reprendra cette conversation plus tard. Où est-ce que vous avez l'intention d'aller ce soir? Dehors. Qu'est-ce que ça veut dire, dehors? Quand on sort, c'est qu'on va dehors. Je crois que ta mère t'a posé une question. On va voir un film, Monsieur Nelson. Merci, Chris. Rentrez pas trop tard, d'accord? Merci, papa. Je pourrais avoir 30 dollars? Passe une bonne soirée. Merci, papa. Quoi? Arrête. Pourquoi? Arrête, j'ai pas du tout envie de faire ça dans une voiture. Pourquoi tu me fais toujours le même coup? Ramène-moi. Tu veux pas qu'on aille au moins voir ce que font les autres? Pourquoi faire? Pour que tu leur dises qu'on a failli coucher? Écoute, Cathy, je sais qu'on doit être responsable par rapport à ça, mais j'ai toujours été patient et je t'ai toujours traité avec beaucoup de respect. Ah ouais, je vois, comme quand tu fais la gueule parce que tu m'as attendu devant le lycée quelques minutes. Ma mère a pris rendez-vous chez le gynéco pour moi. On va voir ce que font les autres. The cowboy and the señorita made the night much sweeter with words like I love you so. He said life on the range is such a lonely life. Won't you pack your shawl, acquire a shawl, and be a cowboy's wife? They marry. And their plans all carry. There's a little cowboy, and oh, what a kid. Why don't folks do like the cowboy and the senorita did? He said, don't send me back to that lone prairie. I've got a saddle for two, for me and for you. Come right away with me. They headed for the church and wedded, bought a little rancho and right and stuffy. Est-ce qu'il y a vraiment des cow-boys en Amérique? Je crois que oui. Mais ça, c'est un vieux film. Ce serait vraiment génial de voir un vrai cow-boy et aussi de monter un vrai cheval. C'est vrai. C'est super, tu ne trouves pas? Oui, c'est super d'être dehors. But when I think of all that gold, think of the trouble it's going to be. C'est dans ce film qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Pour la plupart, ils les avaient adoptés. Ce serait vraiment merveilleux d'avoir une grande famille. Est-ce que tu aimes toujours maman? Tu ne veux pas me répondre? J'aimerais toujours ta mère. Fais-moi plaisir. Vas-y, entre. Et toi? La maison n'est pas loin. Je peux rentrer seule. S'il te plaît, papa. Mon cow-boy ne viendra pas si tu es là. Je ne resterai pas longtemps. Tu es sûre que tu peux rentrer seule? Oui, ne t'inquiète pas. Monsieur.
Montre-nous ce que tu caches derrière ce voile. Allez, fais-nous voir. Non, ne me touchez pas. Calme-toi, on va pas te faire mal. On veut juste regarder. Allez, pas peur, allez, sois gentil. Je ne veux pas, laissez-moi tranquille. Montre-nous ce que tu caches. Non. Non mais dis donc, vous pourriez faire attention. Désolé. Vous ne pouvez pas regarder où vous allez. Pardon. Non mais regardez ce que vous avez fait. Il y en a partout. Je vais tout ramasser. J'aurais pu me faire mal, j'ai plus 20 ans, moi. Pas la peine de crier, ça ne sert à rien. Il n'y a personne dans les rues. Arrête de te débattre, sinon on va finir par se cacher. Allez, montre-nous ce que tu caches. Moi, s'il vous plaît. Papa. Tu n'as rien? Non, ça va. Mais je suis contente que tu sois venue. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te laisser rentrer seule à la maison. Tu écris à qui? J'écris une lettre à Chirurgien sans frontières. Ils doivent bientôt être à Shanghai. C'est bien. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Shaolin, ce qui s'est passé cette nuit, ce n'était pas ta faute. Arrête ton travail et écoute. Shaolin, je crois qu'on devrait parler de la nuit dernière. Il ne faut pas t'inquiéter, tu n'as rien fait de mal. Shaolin, Shaolin, Shaolin! Je ne veux pas que tu envoies cette lettre. Ne l'envoie pas, s'il te plaît. Je veux juste rester ici. Je pourrais lire. Te faire ton thé. J'étudierai. Shaolin. Je ferai le ménage. Shaolin. Je suis bien ici. Je suis bien ici. Je t'en prie. Ne m'oblige pas à y aller. Ne m'oblige pas à y aller. Je serai très heureuse que tu arrives à faire ta vie. S'il te plaît, n'envoie pas la lettre. S'il te plaît, papa. D'accord, 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 d'accord. Tu n'as rien fait de mal. Il ne s'est rien passé! Je vais travailler. Je rentrerai tard. On parlera à mon retour. Oui, père.
t'ai vu au cabaret hier soir, tu sais. Ah oui? Tu étais avec une très belle femme. C'est vrai. Mais c'est tout? Oui, c'est tout. Je suis rentré seul. Tu peux pas continuer à vivre comme ça. Tu as déjà sacrifié tellement de choses pour ta fille. Excuse-moi. Pas de problème. À plus tard. Ça va? Et toi, ça va? Depuis combien d'années on ne s'est pas vu? Ça doit faire 10 ans. Ça va comme tu veux? Oui, oui. Tu as l'air d'être en forme. Oui, oui. Ah! Tu sais, ton fils, c'est un homme maintenant. D'ailleurs, il est marié. Il a eu un fils. C'est vrai. Est-ce que Lynn vit toujours avec toi? Oui, toujours. Rien n'a changé. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu aies osé nous abandonner pour cette fille. Tu sais, dans la vie, il faut parfois faire des choix difficiles. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Ne te fais pas d'idées. Je ne suis que de passage. Tu vis dans la même maison? Oui. Oui, comme avant. Quel beau gâchis. Tu avais tout pour être heureux. Mais tu t'es laissé aveugler par cette fille. Tu as tout sacrifié pour elle. Il n'y avait qu'elle qui comptait. Je dirai à James que je t'ai vu. Il faut que j'y aille. Tu vas rentrer à la maison? Chris viendra me chercher. Oh non, laisse cette chanson. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa. Oh bah alors remets-la, dépêche-toi. Allez, maman, je descends dans 2 secondes. Tu pourras mettre ce que tu veux. Oh, Cathy. Maman. Est-ce que t'es sûre que tout va bien ce matin? Ouais. D'accord. Bon, alors ne fais pas de bêtises et prends ta pilule tous les matins. J'étais là aussi, tu te souviens? Ouais, et puis ça aide aussi à avoir une belle peau, hein. Cathy, je voudrais que tu saches que pour toi, je serai toujours là, d'accord? On a toujours été capables de se dire les choses, de se comprendre toutes les deux, alors... Tu vois ce que je veux dire, chérie? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bien, super. Ouais, génial. Te moque pas de moi, s'il te plaît. Qui, moi? Non. Non, t'as toujours été super avec moi. Bon, salut maman. À ce soir. Quoi? Quoi? Tu me regardes genre, oh ma fille chérie est une femme maintenant. Tu m'autorises à remettre ma musique? Bien sûr. Bonjour tout le monde! En ce samedi matin, je suis ravi de vous voir. J'ai du mal à croire que vous soyez venu, merci beaucoup, je suis très touché. Bien sûr, je présume que ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez besoin de récolter des points pour le bac. Tiens, Cathy, Ted, voilà pour toi, nouveau shampoing. Tiens, prends ça.
Allez-y, commencez à remplir le questionnaire. Et quant au garçon qui aurait du mal à comprendre, vous pouvez prendre tout votre temps et peut-être même demander de l'aide à une fille. Tu sais, je crois qu'ils prennent tout le monde. Ils ont trop besoin d'aide. Hé ! On se tait ! Chirurgien sans frontières a besoin de nombreux bénévoles. Il recherche des gens pour encadrer, collecter des fonds, organiser les missions. Et pour quelques chanceux... Oh, Barbara, sois attentive. Donc, pour ces quelques chanceux qui feront le voyage, cette expérience changera leur vie. Ça, je vous le promets. D'accord, bon, j'exagère peut-être, mais ce sera une vraie aventure. Ted ? Monsieur Matthews, combien de temps on a pour le remplir ? Une heure, Ted. Pas plus. Alors, s'il vous plaît, inscrivez votre nom sur le questionnaire, ce qui pourrait bien aider ma mémoire défaillante et aussi vous permettre de gagner toute ma considération. Ted, une autre question ? Monsieur Matthews, j'ai oublié mon stylo. Oh, vous avez entendu, Ted a oublié son stylo. Pléthore de stylos pour Ted ! Merci. Très bien, jeune gens, c'est fini. N'oubliez pas de déposer vos questionnaires. Voilà. Il faut seulement remplir le questionnaire, rien de plus. Comment ça ? Ben, on nous fait pas passer des genres de tests pour voir si on est présentable et si on a les qualités requises. Tu seras parfaite. Je parle pas de moi. De qui, alors ? De Ted. Je veux dire, est-ce que quelqu'un comme lui serait autorisé à représenter Chirurgiens sans frontières ? Tu parles de partir en mission ? Ouais, c'est ça. Ne sois pas si prompte à juger. Il est vraiment très intéressant. Il a eu 3 fois les félicitations. Il a 4 points d'avance. Il a fait 300 heures d'activité extrascolaire. Et de tous ceux qui étaient là ce matin, il est le seul à ne pas avoir besoin de ses points pour le bac. J'en savais rien. Eh ben maintenant, tu le sais. De toute façon, je suis pas sûre d'être vraiment à la hauteur. C'est toi qui vois. Changer d'avis ne te fera pas perdre de poids. Je vais te montrer un truc. Tu te souviens de l'histoire de cette adolescente chinoise ? Elle était arrivée trop tard pour se faire opérer. Ouais. Voilà son dossier. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Si tu décides de continuer, fais ta disserte là-dessus. D'accord. Merci, monsieur Matthews. De rien. T'es sûr qu'il y a personne à la maison ? Mmh. Oh, t'es incroyable. Oh, vraiment ? Je crois qu'on devrait attendre. Quoi ? Je crois que ce serait mieux. J'en reviens pas que tu me fasses ce coup-là. Mais je te fais rien du tout. Il faut que je rentre chez moi. Cathy ? Cathy ! Salut ! Salut ! Est-ce que ça va ? Je crois que je suis pas prête. Tu sais, rien t'oblige à le faire, hein, ma citrouille.
Je parlais pas de ça, maman. Je voudrais aller en Chine. Ah. Tu veux y aller à cause de Chris ? J'avais juste pas envie de le faire. Est-ce que Chris s'est montré trop empressant ? Pas du tout, non. Il avait plutôt l'air de pas savoir quoi faire. Après l'effet de surprise, il s'est montré très compréhensif. Il a bien réagi. Qui a bien réagi ? Mais pourquoi est-ce que t'es tout le temps en train de nous espionner ? Je ne vous espionne pas. La ramène pas, la ramène pas. Au suivant, s'il vous plaît. C'est à nous. C'est à nous. Bonjour, combien de passagers ? Un seul. Une personne. Billets et passeport, s'il vous plaît. Alors, Catherine, si ce n'est pas vous, j'ai besoin de savoir qui a fait vos bagages. Ma mère. C'est votre mère ? Oh, ça alors, on dirait deux sœurs. Donc, madame, par mesure de sécurité, est-ce qu'on vous a donné quelque chose à mettre dans l'avion ? Non. Pas de sucreries ou bien de jeux vidéo ? Non, rien du tout. Pas de bonbons ? Nounours à la guimauve, vous savez, ces belles chaussures à talons ? Non et non. Non ? D'accord, d'accord. Vous voyez, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Très bien. Catherine, vol 832, passé par le contrôle de sécurité 123, en haut à gauche. On dirait bien que vous allez arriver juste à temps. Eh ben, voyager en avion, c'est plus que c'était. C'est vrai, mais les passagers, eux aussi, ont bien changé. Au revoir et bon voyage. Suivant, s'il vous plaît. Cathy ! Non, j'aurais pas dû m'énerver, je sais. Cathy ! Mais enfin bon, elle avait pas non plus besoin d'en faire autant. Je pense qu'elle essayait seulement d'être agréable. Cathy ! Je suis désolé. T'en fais pas, Chris. T'as été génial. Salut, Chris. Alors, comment ça va ? Ma chérie. Oh, tu t'embêteras. Je t'aime très fort. Au revoir, papa. T'as rien oublié ? Non. Oublie pas de m'écrire, hein. D'accord. Bon voyage ! Les fleurs ne sont pas autorisées à bord. Oh. Oh. Au revoir, chérie. Au revoir, ma chérie. J'ai été une vraie idiote. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Tu veux boire quelque chose ? Ou tu écoutes de la musique ? Ma citrouille, ta mère et moi, nous avons passé les 17 dernières années à te regarder grandir et devenir cette jeune fille bonne et compatissante que tu es. Où que tu ailles, nous savons que tu illumineras le monde. Nous t'aimons, papa et maman. Salut, je m'appelle Calvin. Salut, moi c'est Cathy. Ravi de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Toi c'est... C'est Stewart ? Non, Ted. Oh, Ted, c'est beaucoup plus joli. Je suis ravi de faire ta connaissance. Moi aussi, Calvin. Alors si vous voulez bien me suivre... Pardon. Venez, par ici. Bienvenue à Shanghai. Ouais.
j'ai un micro qui marche pas, pour changer. Mesdames et messieurs, garçons et filles, mes frères et sœurs, bienvenue à Shanghai. Ouais, que vous soyez médecin, infirmière, bénévole ou même lycéen, soyez les bienvenus en Chine. Mademoiselle, j'ai une question à vous poser. Vous êtes médecin? Oh, si je suis médecin? Oui. Non, en fait, je suis infirmière. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Génial. Alors ce bus nous emmène tout droit à l'hôtel. On en a à peu près pour 1h30. Et notre hôtel... Oh, le trafic à Shanghai est toujours très difficile. C'est si embouteillé que ça? Oh oui, tout le temps. Et l'hôtel, lui, n'est pas trop loin de l'hôpital. Ça, c'est pratique. Bon, ensuite, le repas de ce soir sera servi rapidement. Comment dire? Sera servi un peu après notre arrivée. Et vous étiez le dernier vol que nous attendions pour aujourd'hui. Bienvenue, merci d'être parmi nous et profitez du paysage. Ouais, ouais, je vous remercie. D'où venez-vous? De Los Angeles. Salut Los Angeles, je m'appelle Linda de Salt Lake. Salut Linda de Salt Lake. Je m'appelle Cathy et lui c'est Ted. Bonjour Ted, bonjour Cathy. Je vous ai vu dans l'avion, je me doutais que vous étiez avec nous. Ouais, bien vu. Alors, qu'est-ce que vous pensez du guide? C'est un petit comique, hein? Il a dit que la femme du Premier ministre était malade. Je suis pas sûre, mais si c'est le cas, j'espère que ça va aller. Bon, on se verra tout à l'heure, d'accord? Super. À toutes. À toutes. Vous connaissez des vedettes de cinéma? Hé, hey, Cathy, ça tu veux qu'on se partage une chambre? Bien. C'est mon troisième voyage avec cette association. Cool. Et à chaque fois, je rencontre des gens super sympas. Et après le travail, on s'éclate. Parfois même un peu trop, mais ça, c'est une autre histoire. Je fais aussi beaucoup de photos. Oh, si on faisait une photo! Cathy et Ted, mettez-vous là, que je puisse vous prendre en photo. Est-ce que je peux me mettre aussi avec eux? Mets-toi avec eux, génial. Très bien. Vous connaissez le mot magique? Oui, je te dis. Ouais, on s'éclate. Tout le monde pour photo de groupe. Allez, venez. Mettez-vous derrière. Ah, voici Cathy et Ted, ils viennent de Los Angeles. Et Calvin qui vient de Chine. Tout le monde dit Ouistiti. Ouistiti. Très bien. Les festivités sont officiellement ouvertes. T'as trouvé? C'est ça notre chambre? Comment ça? Bah, on est censé tenir à deux. Je trouve ça pas mal. Quand je fais ce genre de voyage, j'essaie toujours de prendre ça comme une aventure. Et comme ça, je suis jamais déçue. Waouh. Oh, tu veux ce lit? Prends celui que tu veux, hein. Ça t'embête si je prends celui-là? Non, parce que chez moi, mon lit est orienté vers l'ouest. Et comme on est en Chine, je crois que je dormirais mieux en étant à l'est. Heureusement que j'ai pris ma boussole. Dis-le-moi si tu veux une soupe. Oh, t'as un ordinateur? Je suis tout le temps derrière le mien chez moi. Tu t'es jamais demandé comment on ferait sans nos ordinateurs? Ou sans nos portables? Ou... Qu'est-ce que tu cherches? Je voulais envoyer quelques mails. Oh non, il n'y a rien pour le brancher. Je t'ai eu! Linda, je suis désolée, mais tu veux bien ranger ce truc? C'est vrai qu'elle t'a eu? Salut Ted! Salut! Alors, comment ça se passe? Bien, et vous? Ça roule. T'as besoin d'aide? Ouais, j'avoue que ça m'arrangerait. Tu sais quoi? Tu m'as tout l'air d'un homme qui prend les choses en main. Je fais ce que je peux pour aider. Allez les amis, on va manger. Je meurs de faim. Ça va vraiment être bon ce soir. Ah, qu'est-ce qu'on mange? J'en sais rien, mais le premier repassage est toujours bon. Le premier repassage est toujours bon? Tu veux plutôt dire le premier repas? Ouais. C'est ce que tu voulais dire? Bon, manger. Écoute, je sais pas si j'ai vraiment tout compris, mais en tout cas, je meurs de faim, donc je viens avec toi. Vous voulez bien faire votre réunion ailleurs? Allons-y, les gars. Qu'est-ce qui lui prend? On y va. Ici, tu n'es pas le centre du monde et ça doit pas être facile à vivre.
Mais qu'est-ce que je fais ici? Je reviens. Oh, vous voilà enfin. Cathy, tu vas travailler dans la salle d'attente qui est en haut des escaliers, d'accord? Bon, voici une liste des interventions prévues à l'emploi du temps de ce matin. Ted, toi, tu vas emmener les patients à leur chambre pour qu'on les prépare, d'accord? Et où tu vas où, sauterelle-là? Tu travailleras aussi en cuisine, mais seulement quand le repas sera servi. Et oui, on va encore manger du chou, c'est comme ça. Bon, sinon, chaque patient a un numéro qui correspond à un numéro sur l'emploi du temps. Alors surveillez que ça s'enchaîne correctement. Et assurez-vous que chaque patient porte un bracelet au poignet avec son groupe sanguin quand on les emmène au bloc. C'est compris? Bon. Et vous deux, faites-moi une faveur. Greffez-vous un sourire, ces enfants sont effrayés, d'accord? Excusez-moi, je fais quoi, moi? Quant à toi, oui. Tu es si mignon que tu me fais fondre. Allez, viens avec moi. À plus. Bonjour. Je m'appelle Cathy. Mine. Tu veux faire un dessin? Sora. Je peux? Alors. Mine, salut. Je peux voir ton bracelet? Foun Kaifoun? Foun Kaifoun. Foun Kaifoun. Numéro 003. Mine? Où est la ravissante Mine? Cathy, tu veux bien me donner sa fiche? Cathy? Cathy? Ça va aller, ma puce? Je tiendrai pas le coup. Les voir comme ça, c'est pas pareil, ça fait trop mal. Je reviens tout de suite. Voilà ce qu'on va faire. Allez, viens. Alors, on va faire des photos des enfants et tu vas t'en occuper. Je vais te montrer. Salut! Viens avec moi. Tu vas te mettre ici. C'est bien. Ce que tu es beau. Oui, Titi. Merci beaucoup. Très bien. Bonjour, jolie demoiselle. Oh, j'ai failli me coiffer comme toi aujourd'hui. On aurait bien rigolé. Allez, retourne-toi. Voilà. Pardon, jeune homme, tu sais quoi? Tu vas venir avec moi parce que je suis une grande. On est arrivé, retourne-toi. Tiens, à ton tour. Prête?
Oui, Titi. C'est génial. Je suis sûre que tu vas y arriver. Awachagou, Kati. À toi de jouer. Je suis Kati. Kati. Salut. Cette journée a changé ma vie. S'il te plaît, dis à Monsieur Matthews qu'il avait raison. Je t'aime, maman. Dis à papa que je l'aime aussi. Et j'adore vraiment la photo. Bonsoir. Oh mon Dieu, je suis épuisée. Oh. Oh. T'as été super aujourd'hui. Merci. T'as été assez sympa. Je crois que j'ai mal entendu. T'as été super sympa. Merci. T'écris à qui? J'ai envoyé un mail à mes parents et je crois que je vais en envoyer un au prof qui m'a convaincue de venir. C'est quoi son nom? Monsieur Matthews. Michael Matthews? Tu le connais? Oui, on a travaillé ensemble. En Chine. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je me rappelle qu'un jour, je me rendais à l'aéroport. Et il m'a demandé de l'aide pour faire le pansement d'un homme qui avait été renversé par un bus. C'était horrible. Alors t'as sûrement dû les voir? Qui ça? Le père. Est-ce que tu l'as vu? Je me rappelle qu'il était avec une fille. Non. Non, j'ai pas pu voir son visage. Ça aurait pu être elle, mais... Non, j'en sais rien. Je me souviens seulement que le bras de son père était dans un sale état. Je suis vraiment épuisée. Tu veux bien éteindre? D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous pouvez me dire où c'est? Jinshi, c'est très loin. Vraiment? Et comment on fait pour y aller? Je vais vous expliquer, mais c'est vraiment très loin. Et le bus qu'on a réservé tôt ce matin pour votre groupe vous emmènera au centre culturel dans le sud de Shanghai. D'accord, mais je voudrais juste savoir où c'est. Je connais quelqu'un là-bas. Alors, c'est par ici. La route n'est faisable qu'en bus ou en voiture. Après, vous devrez prendre le train et ensuite, en fonction de l'heure où vous arriverez, vous aurez peut-être un bus pour aller en ville. Et quel bus va à la gare? Le bus qui est juste à votre droite en sortant, dessus il y a marqué Terminus Gare et il vous laissera à la gare principale. Tous les trains passent par cette gare. Je peux le garder? Oui, mademoiselle. Merci. Je vous en prie. Thank you.
s'il vous plaît. Comment? J'ai pas entendu. Vous avez votre titre de transport? Merci. Je vous en prie. Déjà au centre culturel, on va la retrouver. Vous êtes sûr que ça ira? Oui, ça ira. On va la retrouver. On vous rejoindra, d'accord? D'accord. Très bien. On peut y aller? Oui, oui, partez devant. Allez, allez. Vous êtes sûr? Oui, complètement. À plus tard. Hé, Linda, pourquoi tu n'irais pas parler à la recette là-bas? La recette? Oui. Oh, la réception? La réception, oui, c'est ça. Désolé. Calvin, c'est une idée géniale. Ouais, j'ai beaucoup de bonnes idées. J'ai beaucoup de bonnes idées. Ah oui, merci, j'avais compris. D'accord, allons-y. Je peux vous renseigner? Oui, est-ce que vous avez laissé partir cette jeune fille toute seule? Je lui ai juste donné des renseignements et ensuite elle est remontée dans sa chambre. Je peux vous aider? Ça, j'espère bien. Qui êtes-vous? Je vous ai vu ce matin devant la gare. Pourquoi observez-vous ma fille? Est-ce que vous avez eu un accident? Comment le savez-vous? Pourquoi êtes-vous venu? J'en sais rien. Quand je repense aux décisions que j'ai prises,
je réalise à quel point ma vie aurait pu être différente. Nos décisions affectent les personnes que nous aimons. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle n'est pas venue. Celle qui partage ma chambre s'est occupée de votre bras. C'est vrai. Lynn, je sais que tu es là. Lynn, je sais que tu parles ma langue. S'il te plaît, je suis venue de très loin. Je veux juste te parler. Qu'est-ce que vous voulez ? Mon père n'est pas là. Laissez-moi tranquille. Ton père m'a énormément parlé de toi. Vous avez discuté avec mon père ? Oui. Nous avons pris le thé ensemble il y a quelques minutes. Il voulait qu'on discute seul à seul. Est-ce que vous faites partie de l'organisation médicale de Shanghai ? Oui. Vous êtes médecin ? Non. En fait, je suis au lycée. Je viens de Californie. Dans ce cas, je vais faire du thé. Je reviens. Non, nous ne savons pas exactement, Madame Nelson. Nous savons juste que votre fille voulait des renseignements sur une autre ville. Très bien. Eh bien, dans ce cas, quelqu'un doit la retrouver. Comment est-ce que vous avez pu laisser une fille de 17 ans partir toute seule ? Je sais. Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver. Écoutez, est-ce que... une seconde. Est-ce que par hasard, vous savez pourquoi elle veut retrouver... Oh, mais qu'est-ce que je viens de dire ? Est-ce que vous savez pourquoi elle veut absolument retrouver cette fille ? Elles sont nées le même jour. Ah oui ? Dites-lui que vous la rappellerez. Une seconde, quoi ? Quoi ? Dites-lui que vous la rappellerez. Madame Nelson, est-ce que je peux vous rappeler ? C'est promis ? Oui, c'est promis. Rappelez-moi, hein ? D'accord, je vous rappelle. Au revoir. Vous vouliez me dire quoi ? Venez. Oui, ça va ! Je vous vois faire ! Tu cherches quoi exactement ? Ouais, tu cherches quoi exactement ? Cette fille fascinait Cathy. Je n'ai jamais compris pourquoi. Elle est partie à sa recherche. Regardez, c'est là. Quand je me suis décidée à m'engager là-dedans, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je suppose que je voulais savoir à quoi la vie ressemblait dans le monde réel. Mon petit ami, bien sûr, trouvait ça débile. Tu as un petit ami ? Ouais. On est ensemble depuis 2 ans. C'est comment d'être ensemble ? Comment ça ? D'avoir un petit ami. C'est bien. Parfois, ça craint. Tout le monde pense qu'avoir un copain, c'est génial, mais en fait, c'est pas vrai. Ton père m'a dit que tu lisais beaucoup. J'aime beaucoup lire. J'aime lire les livres sur l'Amérique. Une fois, j'ai même vu un film. Quel film ? Un film de Roy Rogers. Je crois pas que je l'ai vu, celui-là. Tu veux que je te dise un truc ? J'aime bien t'entendre parler. Écoute, la première fois que j'ai vu ta photo... Lynn ! J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ? Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? S'il te plaît, va-t'en. Je vais partir, mais laisse-moi finir. Quand j'ai vu ta photo la première fois, j'ai vu que nous étions nés le même jour. Et j'ai compris ce jour-là qu'il y avait plus important dans la vie que les petits amis, le shopping, ou se faire bronzer sur la plage. Et ensuite, hier, quand ces enfants sont venus se faire opérer, je me suis effondrée. Je me suis complètement effondrée, parce que c'est différent quand tu regardes la photo d'une personne et qu'ensuite tu la vois pour de vrai. J'avais besoin de faire quelque chose. Je n'ai jamais senti le soleil sur mon visage. Alors allons à sa recherche. Shaolin, tu ne dois pas culpabiliser pour ce qui a pu se passer. Tu n'y es pour rien dans cette histoire.
s'il te plaît. Allons à Shanghai. Où est-ce qu'il est? J'en sais rien. Mais où est-ce qu'il est? Vous, montez, je vais le chercher. Ah non, 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 on monte ensemble, je ne veux pas t'ennuyer avec tes parents. D'accord. Hé, hey, je suis là. Hé, hey, je suis là. J'ai comme dans un vieux film de cow-boy. Tiens, reprends-en. Allez, vas-y, mange. Merci. Vous croyez qu'elle me laissera voir son visage? Parfois, quand nous lisons, elle retire son voile. Ça la change beaucoup. Elle est très différente. De qui vous parlez? De toi. Vous disiez quoi? Ton père voit sa petite fille devenir une femme? Qu'est-ce que tu veux dire? On est des adolescentes. Des adolescentes? Oui. Oui, je m'en rends compte. Tu peux dormir ici, il y a une chambre. Oh, mais vous savez, je peux dormir... Non, 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 non. Il vaut bien mieux que tu dormes sans avoir à supporter, mais... Tu sais comment on dit, toi? Ronflement. Oui, mais ronflement. Est-ce que ça va, Cathy? Ben, personne sait où je suis. J'ai quitté l'hôtel sans leur dire à quel endroit j'allais. Tu es partie à l'aventure dans un pays étranger. Tout à fait. Est-ce qu'il est beau? Qui? Ton petit ami. Alors il l'est? Pas si mal que ça, hein? Et il a un chapeau blanc? J'en sais rien s'il a un chapeau blanc. Bonne nuit, les filles. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Ah oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis content de vous revoir. Oh, moi aussi. Tu as tort. Il est très mignon. Hé, hey, Ted. T'as un chapeau blanc? Allez tout le monde.
monde, vous fêterez ça après. Le bloc est prêt. Alors, j'espère que tu ne vas pas jouer les chochottes ou nous avouer que ton groupe sanguin est super. Si vous avez besoin de sang, il y a le mien. Le mien aussi. Allez, on y va. Amenez Lynn par ici. Allez. J'ai presque terminé. Tu es courageuse, c'est bien. Voilà. Je vais devoir te l'enlever pour l'opération. Laissez-moi lui parler. D'accord. Ma chérie, tu dois l'enlever. Je veux voir Cathy. Comment ? Je veux voir Cathy. D'accord. Elle voudrait te voir. Lynn, retourne dans ton lit. Tu dois pas rester debout. Est-ce que tu as peur ? Un petit peu. Moi aussi. Narrow daylight entered my room. Shining hours were brief. Winter is over, summer is near. Are we stronger than we believe? I walk the halls of reputation. Elle sera endormie dans une dizaine de secondes. Among the infamous two. Au travail. As the camera clings to the common thread. All vanity into a gaze to shoot you through is the kindness we count upon. Hear it in everyone. Votre fille va très bien. Lors de l'intervention pour corriger sa dentition, votre fille a perdu beaucoup de sang, mais cela n'a pas empêché la grève de peau de prendre sur son visage. Votre fille deviendra une ravissante jeune femme. Et où est-ce qu'elle est ? Elle est en salle de réveil pour l'instant. Docteur, vous lui avez sauvé la vie, merci. Je vous en prie. Et maintenant, vous devriez vous reposer. Oui, d'accord, je vais me reposer. Encore merci, docteur. Chose. Quoi ? Eh bien, vous verrez. Allez, venez vite. Is the kindness we count. I can find some peace. Narrow daylight entered my room. Shining hours were brief. Winter is over, summer is near. Are we stronger?